parler de Fever Student Frohano et aujourd'hui on se retrouve pour une exclusivité au cœur des services d'hygiène d'Esch. Suivez-moi. Bonjour, je suis Ali. Et vous? Je suis Colmich Marc, je travaille à la commune au service hygiène et je suis chef d'équipe. J'ai une question pour vous. Y a-t-il différents types de camions pour différents types de poubelles? Ah, c'est bien que tu demandes, comme ça je peux te montrer les différentes poubelles. Bon, chaque camion il peut vider n'importe quelle sorte de poubelle, ça il n'y a pas de problème. Même si qu'elle soit trop lourde? On a une règle de la commune, ça veut dire que la poubelle ne doit pas être trop lourde. Alors ça veut dire une poubelle à 120 litres, la moitié elle doit être, ça veut dire 60 kg par poubelle. Toutes ces différentes poubelles? Bon, les différentes poubelles, c'est chaque ménage, il a les différentes poubelles à la maison pour que la poubelle noire, c'est pour le déchet ménagère, tout ce qu'il reste qu'il ne peut pas recycler. On a le sac bleu, ça c'est Valolux, c'est pour les boîtes métalliques en plastique, les barquettes et le plastique film. On a la poubelle bleue, pour le papier. La poubelle brune, que pour les bouteilles, et la poubelle verte, c'est pour les déchets de cuisine et puis le jardinage, c'est tout. Merci. À quelle heure commencez-vous le travail? On commence à 6 heures tôt pour éviter le trafic et pour bien passer sur les différentes rues à Esch. Notre travail, il se déroule sur un plan fixe. Sur chaque ouvrier peut regarder le plan sur le mois. Et puis aussi les camions, ils reçoivent aussi un plan où ce qui va passer les rues. Chaque camion, il sa couleur pour ne pas oublier des poubelles qu'on va vider dans la rue. Pourquoi cela sert-il de changer ses vêtements pour aller au travail? Bon, pourquoi on change les vêtements? Il y a trois raisons. La première, c'est la visibilité. La deuxième, la sécurité. Et la troisième, que les gens y voient que nous, on est de la commune. Tout à l'heure, en marchant, j'avais remarqué différents outils sur le mur. À quoi sert-il? Ça, c'est les outils de travailler, les outils pour nettoyer les rues. Et puis, il y a des balais, il y a des caisses pour récupérer les ordures, il y a des grattoirs pour gratter les mauvaises herbes et un souffleur pour souffler les feuilles. Et puis ça, on utilise pour nettoyer les rues. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission et aussi merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Bah, de rien, tu peux revenir quand tu veux. Et maintenant, on va faire un petit tour, si tu veux, avec le camion. Ce serait tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Ça, t'as jamais fait, hein? Rouler avec un camion d'ordure. Ouais.